Yo les gars! Comment ça va les amis? On lance fut ce soir sur le nouveau compte? Ah, le nouveau il est moins nouveau maintenant. Ça fait quoi? Ça fait 3 semaines et demie maintenant qui est là. Je vais changer un petit peu l'équipe. On avait fait le 20-0 de la TOTS. Laquelle? Là c'était la Ligue 1, donc c'était la Bundesliga. Avec, semaine dernière on avait tenté de rush le fut champ jusqu'à 11 pour vu qu'il y avait le glitch vendredi. Malheureusement ils ont patch juste avant. J'étais en 9 victoires, ils ont patch. Donc bon bah du coup j'ai arrêté à 11 pour rien. Donc c'était un petit peu une semaine dans le vent. D'ailleurs là j'ai un petit pack TOTS garanti à ouvrir, on va ouvrir ça. Et du coup là j'aimerais bien changer l'équipe un peu là. En plus j'ai des crédits, il y a de quoi faire. Je vais faire la casette. Non, genre la carte elle est pas belle. Ça donne pas envie hein. Je vais ouvrir les packs déjà parce que j'ai quelques packs quand même. J'ai 2 ou 3 packs TOTS normalement. Et je vais tenter le SBC de ce soir aussi. Ah bah tiens, j'ai un cobble qui traîne. Ok, là il reste des petits packs intéressants quand même. On a 2 packs TOTS garantis, un pack TOTS 90 max, je crois que c'était clash d'équipe silver ou un truc. Ouais bah super. Il y a même pas d'animation, je pensais que c'était un pack. Allez, petit 83x5. Handler, c'est bien. Très bien, moi. Allez, 83x5 encore. Oui, c'est bleu. Non, ça va être Ben Taleb. Oh, il tombe tout le temps, lui, Dante. Loco, machin, des trucs comme ça. Oh, bon, au moins. Voyons le bon côté des choses. J'ai mon TOTS pour le pack. C'était dans quoi qu'il fallait un pack TOTS? Dans le pack, bah, dans le pack TOTS de ce soir. Et moi, s'il y avait un petit mouvement qui peut aboutir à quelque chose, je serais le premier à suivre et à... Et à tout faire pour que les gens suivent, hein, parce que j'aimerais qu'il y ait chance, mais c'est compliqué. Allez, petit choix icône quand même. Si on n'a pas une grosse icône, moi aussi je boycotte. Je vous remonte l'équipe, les gars, quand même, pour vous montrer un petit peu tout ce qui peut rentrer dedans. L'équipe, bah, vu que le compte a 3 semaines et demie, elle est bien, mais il y a de la place pour une belle icône quand même. Surtout que blanc est vendable, donc un gros DC, je pourrais revendre blanc. Après, le reste, c'est quasiment invendable. Un gros attaquant, parce que Guedes, il est vraiment trop nul. Là, je l'ai remis quand même pour ce soir, mais si je pouvais le dégager à tout jamais, ce serait parfait. Au milieu, il y a de la place aussi. Il y a de la place un peu partout en vrai. Hein. Ah, même Zola Tutti, les gars, je prends. Je mettrai à la place de Benrahma, je pense. Allez, un petit truc cool. Oh non, je sais même pas un petit truc cool, là. Bah, lui, il est pas meilleur que Milinkovic-Savic. Lui, j'en parle même pas. Et lui, à la rigueur, en DC, mais bon, il est pas meilleur que Blanc. Ah, je vais prendre Petit quand même, peut-être, non ah. Ou la note. Ouais, vas-y, je prends Petit quand même. 90-92, je trouve ça change rien. Si, par exemple, je peux mettre... Parce que là, j'ai Blanc. Si, on va voir après, on va faire l'équipe. Si je peux peut-être Tej Blanc pour mettre Petit et avoir un peu plus de budget pour un autre joueur, ça peut être cool. Allez, on a 3 packs TOTS garantis. Pack icône, c'était foiru. Rattrapons-nous là-dedans. Oh, Rice. Oh, putain, mais gros, Coventry City. Oh, le déclin de Rice qui allait arriver. Ah, c'est terrible. Ah, ils sont durs, ces packs TOTS. Ça, quelqu'un a eu Salah tout à l'heure. Samy, il a dit, j'ai eu Salah. Non, c'est nul, putain. AD allemand, j'étais... Mais non, ça peut être personne, ouais. Albert. Avoir une win là-dedans, franchement, c'est chaud. Hein. Ça, c'est le SBC du soir. Normalement, il est un peu mieux. 90 minimum. Ah, oh, vas-y, Dembouz. Je voyais déjà Dembouz arriver. Putain. Je vais où avec Del Castillo, moi? Ah oh là 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 là. Bon, bah, un Foders pour le pack icône, peut-être. Bon, bah, aucun joueur parmi ces 3 packs TOTS et ce pack icône va entrer dans l'équipe. Allez, 3 choix 84+. C'est parti. Ah, et moi qui vous disais, faites-les. Il y a des grosses notes. Lui servira. SBC icône. Ok, au moins un petit 89, un petit 87. Ok, bah. Gaëtan Tiné vient au club. Hein. Équipe à 83 pour une 94. Dis pas non. Allez, deuxième du soir. Et ce serait une belle win. Enlever les jokers hiverriers, mais. Oh là 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 là. C'est pas parce qu'il pleut et qu'il fait encore froid que c'est l'hiver. Dégagez-les. C'est encore pire que le premier, celui-là. Putain, vas-y. 2 packs icônes, 3 packs totes, des 83x10. J'ai pas eu un truc cool, là. Bon, bah, l'équipe, on va devoir se l'acheter. Hein. Changeons notre équipe. Alors, mon équipe, c'est ça. J'aimerais bien changer un peu de choses en sachant que j'ai 826 000 crédits quand même. Je vais vous laisser les joueurs qui sont vraiment imbougeables de l'équipe. Ça, c'est imbougeable. Et j'aurais voulu mettre Openda. Il est à combien Openda maintenant? Se trouve, il a augmenté. C'est marrant. 700k. Vraiment, je voulais jouer Openda. Dès que je tombe contre lui, il est trop fort. Si je vends blanc, ouais, j'ai plus du coup. Après, blanc, je peux le garder si je trouve pas. Attends. On va essayer de faire un truc avec Openda. Après, j'ai Xavi Simons rouge, hein, je crois. Mais bon, il est pas très bon, quoi. Je sais pas, je peux pas. J'ai déjà pas le meilleur, mais je peux pas mettre Xavi Simons. Pas possible. Podolski. Ah, attends, je vais regarder la carte de Podolski. Ça se trouve, ce sera lui et pas Openda. Hein. Alderweireld. Ah, oui, c'est un TOTS plus. Ah, mais il vaut 200k. Ah, mais après, je vends blanc. Je tente. Déjà, il passe à 2. Là, va falloir quand même que je trouve de la première ligue. Après, je peux mettre McAllister en vrai. Hein. Très bon. Je vais le mettre moins cher. Faut qu'il parte tout de suite, là.
qu'on me l'achète vite. Mais 20 000 moins cher. Jonathan David. Lui aussi, on peut le revendre. La légende de ce compte, lui, les gars. Et ses moments de s'en séparer. Il a toujours sa place en soi, mais faut changer un peu. Acheter 39 000, il en vaut 66, là. 172 matchs, 203 buts, 88 passes D. Lui, il va avoir une statue devant le stade. Hein. Hop, on va le relister pour que ça parte vite aussi. Il est un chasseur en plus. J'ai Magerie à vendre aussi. Là, je peux plus mettre de Ligue 1. Et j'ai Charles aussi, je crois, à vendre. Et Charles a bien été utile au club. On va la vendre aussi. Normalement, là, j'ai tout vendu ce que je devais vendre. Ok, ouais. J'ai 1,3 million là. Tout le monde s'est vendu ? Non, il reste Charles. Oh, attendez, j'ai d'autres joueurs à vendre. Attendez, attendez. Peut-être grave. Bon, ça vaut plus grand chose, mais on peut peut-être gratter un peu. 87, 6700. Oh, bah, après, j'avoue que j'avais pas vu que j'avais que 3 joueurs en fait. Donc là, Charles devrait partir vite. En gros, j'ai 1,4 million. Bien en vrai, 1,4 million en 3 semaines de jeu quand même. Icône DG ou icône AG pour... En vrai, c'est tes os là. Non, c'est mort. Hein. J'ai icône, y'a qui ? Y'a personne, je crois. À 400k. J'ai quand même besoin d'un attaquant, je préférerais mettre 400k. J'ai juste... Si je m'école, après, j'ai plus de sous pour l'AG. La merde. Après, au pire, je pars avec Sancho AG. Hein. En vrai, je pense que je vais mettre Sancho et une icône. Hein. En vérité, je vais faire ça et cool, et puis c'est bon. Hein. Comme ça, je me fais pas chier. Hein. Et là, j'ai l'équipe hyper complète. L'équipe a bien changé. On va pouvoir tester Alderweireld, Openda, Sancho. Et normalement, j'ai tout le monde à 3 là, non ? Juste que je mette entraîneur Liga. Oh, c'est bien comme ça. En vrai, c'est bien. Moi, j'ai full call. J'ai une belle équipe. Des joueurs qui changent un petit peu de ce qu'on avait juste avant. Très bien. On va partir comme ça. L'équipe est terminée. On est en Div Elite. Hein. J'étais monté Div Elite la semaine dernière. Tranquillement. Et là, les gars, il va falloir aller faire les 7 wins de cette semaine. Avec la nouvelle équipe. Bon, j'espère que l'équipe va bien marcher. Parce que l'ancienne fonctionnait très bien. Mais bon, à un moment donné, il faut changer. Openda, je pense que je vais kiffer. Il m'a tellement fait mal quand je l'ai affronté. J'ai l'air trop fluide, Openda. Je kiffe en deux petits bouts de match là où je suis déjà amoureux d'Openda. Oh oui. Oh, Openda il est toujours bien placé pour le moment. Ça aura bugué littéralement tout le week-end. En vrai. C'est le moment où ça buguait pas, c'est quand les rouges buguaient. C'était le meilleur moment ça. Il est trop fort, c'est un film. Hey, j'ai pas besoin de faire 15 matchs avec lui pour me rendre compte que je vais le kiffer. Hein. Il est trop agile, il est trop fluide. Et encore, j'ai pas encore testé sa vitesse. Parce que moi, c'est ça qui m'a le plus choqué quand je l'affrontais. J'arrivais jamais à le rattraper. Oh, il est trop fluide, je fais des cancels, des gauche-droite, ça va trop vite. Oh, il a failli aller la chercher. Ouais, le timing vert. Parfait, Openda. Oh, mais c'est trop comment il est fort, Openda. Ouais, bien joué. Oh là 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 là. Qui d'autre que Openda pour le tirer ? Il mérite. Oh, j'ai cru qu'il était poteau. Ouah, j'avais fait de la merde, je sais même pas comment ça passe. Vraiment trop con. Mais je joue Garrett, ça. En fait, c'est défensivement, il est très nul. Bon, le petit rush kit pour terminer. Il s'appelait Tu veux une golden et on a pris une en pleine gueule. 4-0 mutant.
Je suis déjà à 901 de notes techniques juste avec 7 victoires ce soir. C'est chiant quand la note elle commence à monter. Il y a des semaines, moi j'aime bien tryhard et tout. Il y a des semaines, tu vois, t'as juste envie de faire tes 7-8. Quand tu commences à avoir une bonne note technique, ça y est, tu dois tryhard tous tes matchs, c'est chiant. Bon, bah parfait. Ah, petit débrief de l'équipe quand même, c'était rapide. Bah après, la plupart des gens, on les avait déjà, mais Openda, les gars, il m'a choqué. Hein. Sur 7 petits bouts de match, qu'est-ce qu'il était fluide, fort, rapide. Oh là là. C'est pas Gonzalo Guedes. Et pourtant, si tu compares les stats, Guedes il est meilleur quasi partout. Hein. Mais qu'est-ce qu'il est fort, Openda. Comparé à Guedes. Et puis lui, les gars, pour la cour retest, de toute façon, je vais faire le fut champ avec cette équipe ce week-end, hein, mais à part si je pack une dinguerie d'ici là. Mais lui, les gars, pour 200k, ça a l'air d'être un putain de monstre. Hein. Et les totes plus, donc pour le caler, c'est vraiment simple. Il a deux de call directement dès que tu le mets. Tu mets juste entraîneur bench, par exemple, il peut passer direct à 3. Allez, ciao, bonne nuit, à demain.